Monsieur, on serait pas de la même famille comme par hasard? Bah, vous avez acheté votre veste chez le magasin participant? Ouais. Mmh. Donc il est fort probable que nous soyons un peu liés, quoi. Ouais, je crois. Je crois qu'on l'a acheté tous au même endroit. Vous voulez qu'on fasse quelques trucs ensemble ou comment ça se passe? Bah, c'est comme vous voulez. Bah, vous voulez qu'on fasse un petit business? Ah, bah, je dirais pas mieux. Eh bah, allez-y, montez. Il reste une place, qui c'est qui veut venir? Ok, très bien. Allez, au revoir, monsieur. Ah, par contre, je vous préviens, ma conduite est très très mauvaise, hein. Super. Excusez-moi, j'ai eu une absence. Ça vous arrive souvent, ce genre de conduite? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, déjà, on pourrait commencer par se faire un petit peu d'argent. Donc, on peut commencer... Moi, on se fait discret. On se fait un petit peu discret, on se fait des petits printers et tout et tout. Et après, on pourra peut-être envisager d'aller braquer 2-3 mecs, quoi. Enfin, je jure. Je vais me mettre dans la salle de bain pour commencer mes Papy Twix. C'est Papy Twix, il a dit. Vous mettez bah, où vous voulez. Bon, je vais me mettre dans le garage, je pense. C'est bien le garage. C'est beau. C'est courtois. Alors, est-ce qu'on ferait pas des genres de bacs? Mais alors, par contre, est-ce qu'il y a des... La ligne d'or, il fonctionne ou pas? C'est quoi déjà? Je vais aller acheter des armes en ville. Il vous faut quelque chose? Bah, moi, j'aimerais bien avoir une petite arme, si possible. Après, je te rembourserai peut-être... Enfin, je te rembourserai plus tard. Qu'est-ce qu'il vous vaut? Bah... Franchement, prends ce que tu veux, moi j'y connais pas grand chose encore dans les armes, je viens de rentrer dans le métier, tu vois, ça fait longtemps. Ok, bah je vais vous prendre une arme de base, je vous ferai la surprise en rentrant. Ça marche, merci. Ah l'ancienne, mais par contre, je sais plus c'est ça le truc. Je sais plus c'est quoi les faux murs et tout. Faut trouver une bonne... Y'a rien qui correspond au mur de derrière là. Oh, bon, ouais. Porsche. Comment ça vous faites braquer où ça? C'est une plaisanterie là. Vous faites braquer où? Y'a vraiment là, vous êtes vraiment en train de vous faire braquer là. Sérieusement. C'est une blague. Dites-moi que. Dites-moi qu'on rigole. Vous m'expliquez pourquoi y'a la police devant chez moi là? Qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi se prendre en otage? Mais vous êtes sérieux? Vous partez 2 minutes et vous faites. Oh putain. Vous avez réussi à vous faire prendre en otage? Bon bah écoutez, hein, quand vous avez fini votre braquage, enfin de braquer, hein, vous revenez. je continue à faire mon truc. Ça, moi, est-ce que je peux? Ça le fait pas du tout, on est d'accord. C'est surtout ton genre de bureau. Oh merde! Si je fais ça et que maintenant je fais le mot de passe. Qu'on voit évidemment. Ça marche pas, t'as vu? Attention ma faim, comment c'est ma faim? Mais je vais mourir de faim. Merde. Alors là j'ai un... Oh mon jeu a planté. Ah non. Ah non. Ah Gmod tu as pas commencé. Oh alors toi non. Surtout pas toi non. Bah, attention, hé hey. Moi je dis il y a un point positif, c'est que j'ai plus faim. Ah mais du coup j'ai plus accès. Ah ok t'as. Oh t'as. Ok t'as pas acheté cette porte. En gros ils auraient pu venir me braquer qui continue quoi. Tu viens ça? J'y suis de retour! Ah, nickel! Bah alors, où étiez-vous donc? C'était chaud, mec! Eh, mec, j'étais enfermé dans une salle de bain, hein. J'étais sur les chiottes, plus sa mère! Hi! Bonjour! Alors? C'était sympa? C'était où pendant qu'on se faisait prendre en otage, toi? Alors, j'ai une petite histoire à te raconter. J'étais ici, moi, je bricolais, et je me disais, ah bah, il se fait tard, ils sont toujours pas rentrés! Et puis bah là tu viens d'arriver et tout, c'était il y a quoi, il y a une heure. Et j'étais en mode ah là là mais où sont-ils? Et moi je fais bah les cartons, voilà. Mmh, ok. Des bouteilles de gaz pour montrer combien je te prends. Une baignoire aussi parce que c'est important les baignoires. On va la mettre en mode je tombe sur le mur. C'est pour le garage. Oh merde, j'ai vu le garage. Ça tire. Ah non moi. What the fuck? Quand ça se fait qu'il y a Robocop qui se bat dans la rue, encore moins avec une mitrailleuse lourde. C'est-à-dire qu'on va pas pouvoir le tuer. Oh mais il va me casser les pieds lui aussi là, carton là. C'est ici. Voilà, hop, juste en dessous de l'escalier. Bon c'est voyant de ouf. Alors je vais mieux le mettre. C'est le genre, juste là. Ah oui merde.
Yep. Hey, il y avait les flics qui viennent de fouiller la maison, c'était chaud. Quoi déjà? Tiens, j'ai un cadeau pour toi. Vas-y. Tiens, cadeau. Allez hop. Il y a un cadeau pour moi. Merci. Dehors. C'est 4-3-2-1. Et le code de ce skatepad, c'est quoi là? En dessous de l'escalier. Celui-là, c'est pour le mur. Ok, merci. Bah, regarde. Vous prenez le mur alors. Oh, oh, intelligent. T'as vu ça? Eh. Hey. Hop, on est pas charpentier pour rien, on fait pas des murs pour rupturer un peu la pièce, hein. Il demande. Si tu voudrais que ce soit plus intelligent, tu devrais faire tous les murs, tu devrais tout faire les murs de la même. Bah ouais, mais je peux pas, parce que je peux pas poser de nouveaux objets, tu vois, j'ai plus de place dans ma hotte. Et y a pas de matériaux qui correspondent, donc c'est un peu la merde. Ouais, mettre le printer. Printer. Alors, que je me fasse pas voir comme la dernière fois. Bien, j'ai une petite IK et tout. Alors, printer. Il faut printer 15 000. Puisque je risquerai ça ou pas. Prends le moins cher et après tu prends le plus cher. On va prendre avoir deux. Ouais, je vais faire ça. Hein. On va partir sur celui-là. Oh, message. Bon, bah, peut-être dans la mafia, mais moi je suis avec mon crew. Don't touch mon crew, my baby lol. Bah, du coup, oui. Dans 3,5 minutes, t'es rentable. Pas dans 3,5 minutes, je suis pas rentable. C'est 5 000, hein. 3 000. C'est pas possible qu'en 3,5 minutes je peux être rentable. Quoi? Seulement? Sérieux? What the fuck? T'es sûr que c'est pas 180 000 en une heure plutôt? 300. Ouais, 60, ça fait 10. Ah ouais, putain, 18 000! Ouais, c'est deux que ça. Tu m'as fait flipper! J'ai cru que la connerie qui était l'entrée. Mais il est très. Voilà quoi. J'ai pas acheté un gros printer, on va dire. Ouais, oh merde. Ah, j'ai acheté celui à 5000, bon, je vais peut-être acheter un 15000, non? Ce serait mieux. On va acheter celui à 15000 aussi. Faire des full rentable parce que là. Pas ouf, je sais pas ouf. On va s'en mettre un deuxième. Oh, 660 par minute. Attends, voir. Rétro 6. Je me fais baiser là, non? Non, même pas, non, c'est. Attends, ça coûte 5300. Est-ce que on se ferait-il pas avoir des fois? 15 000 le printer VIP, alors que si j'en prends 2.02, enfin 2.02, je suis. Enfin 2.3, je suis plus rentable. Oh, Julian est en train de niquer l'économie. Julian, ouais, message, tiens. Le mec, je lui parle des problèmes de printer, il m'envoie une crêpe. Julian, arrête. Putain, il me donne faim, ce con. C'est pas volontaire, on va modifier ça. Ok, ils vont modifier ça, c'est bon. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc on sait que c'est une petite erreur. Mais c'est pas grave. Vaut mieux signaler comme ça, parce que si j'aurais laissé comme ça, j'aurais été en mode. Voilà quoi. After comptable. Ah, mais non, mais moi je suis fait de comptable, hein. C'est pas la peine. Hein. Un comptable à. Un mec d'une AK-47. Despacito. 100$. Cadeau. Merci pour les CRO, c'est le plaisir. Bah, je vous en prie, ça me fait plaisir. Oh, ouais, tu fais quoi? Mais pourquoi vous tirez, jeune policier, là? What? Fuck! Je vais me barrer. Cours! Un mec armé, il nous a volé notre véhicule. Eh, hey, dis-moi, y a un méchant policier qui m'a tiré dessus, là. Ah, t'aurais dû sortir ta calache. Ah, je l'ai sorti, mais en fait, il y avait un peu Robocop derrière. Deux autres policiers. Ah, ouais. En fait, le mec il m'a tiré dessus, mais genre, je sais pas pourquoi. J'étais en train d'écouter le concert, il commence à taser un peu le mec et tout. Et il commence à me tirer non, dessus. Non, mais les flics sont un peu attardés dans la ville. Ah, mais laisse tomber, ce qui fait que j'ai une belle blessure à la jambe quoi. Les gars. Yep. Tiens, on est passé chez le cul. Top. Oh, c'est gentil. Oh, merci beaucoup. Y'a un mec. Non, mais j'ai pas d'argent. T'as pas d'argent. Tu sautes, tu t'accroupis, tu fous, vas-y. Voilà. Y'a quelqu'un qui est en train de monter sur votre mur là. Y'a un gars qui escalade. Hé hey. Ouais, non, c'est lui, je le connais pas. Ah, vous êtes sortez les calages. Ouvre la porte. Allez, on va. Il est où ce salaud? Parcours. Là, vous l'avez. Ouais, je vais l'exécuter. Ah. C'est les impôts, monsieur, je vais récupérer vos frères. Qu'est-ce qu'il fait? Les gars, vous avez un lockpick ou pas? Attends, parce qu'il y a quelqu'un à la voiture.
Oh. Ah, allez, Schmitt. Bah tiens. Viens, on va voler la voiture verte. Viens, on prend la voiture verte. Vas-y, vas-y, qui les interpelle. Vas-y, monte sur le véhicule. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Eh, pisse sur le pare-brise. Eh, crève les pneus. Oula, ça tire. Oula, là, ça tire. On avait pas remarqué. Bonjour, bonjour, est-ce que c'est la famille ici? Ah, tiens, 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 ça faisait un bail qu'on t'avait pas vu, toi. Tiens, tiens, tiens. Allez. Potentiellement. Il peut rentrer avec nous ou pas? Je le connais depuis longue date, d'une longue date, lui. Bah, allez, rentre, hein. Bah, la porte, elle est ouverte. Ok. Avant que ça se ferme. On a un nouveau collègue qui arrive. Faire des choses, ça serait... Bah, attends, viens. C'est légal, tout ça. Bah, écoute, tu peux te mettre dans le garage avec moi, si tu veux. Salut, André Laura. Ah, c'est là que ça se passe. Voilà. Tu mets ce que tu veux. Tu merde. Ah, mais j'ai pas pris toute ma thune. Merde. Bon, ça va, 13 000. T'as 13 000. Alors. J'ai 13 000. Nope. Pour l'instant, prends pas le printer VIP. Hein. Ça sert à rien. Ouais, mais ils l'ont baissé déjà la thune. Ils ont baissé la thune qu'ils faisaient. Avant, ils faisaient 800 par minute. Ils l'ont mis à combien là? Là, ils l'ont mis à. Je crois qu'il est passé à 600, non? Ouais, il est à 660, mais. Ouais, avant, il était à 800. C'est pour ça qu'il était plus rentable avant. Ouais, mais de toute façon, ouais, ils vont leur changer là. Julien, il m'a dit que c'était. Parce que, ouais, c'est trop cher. Du coup, lesquels les plus rentables? Alors, les plus rentables actuellement, bah, tu peux prendre. Je sais pas, moi j'ai testé que le 2 et le 4, tu vois. J'ai pas testé le 3. Le 3, ça dépend. Bah, je vais le prendre, je vais voir ce qu'il donne, hein. Bah, ouais. Pour 420 par minute. Je vais voir ce qu'il. Prends ton téléphone et le couleur. Parce qu'après, à la limite, tu peux. Il coûte combien, hein? Il coûte 10 000, non? Ouais. Ah, putain, ça pique. Bon, ça va, j'ai 200 000 sur le compte, mais. 200 000 sur le compte? Ouais, j'avais un peu farmé au début. Bah, le problème c'est qu'au début le printer VIP il donnait 800 en fait, donc ça farmait hyper vite. Ouais, vous voulez dire un serrurier? Ouais, on peut avoir un serrurier rien que pour nous si vous voulez. J'ai un contact. Ah, bah, les printers sur téléphone. Ok, bah, je le contacte. Arteser, mets-toi voleur et viens. Bon, c'est pas top. On fait la banque, on fait quelque chose, je sais pas les gars. Bah, écoute, nous deux on peut aller en bas, après on laisse. Ah, bah, il faudrait juste une arme pour le coup. Je vais passer chez l'armurier. Go faire un braquage. Il va falloir qu'une nana prenne. Il y a le collègue à droite là, faut le prendre. Ah, ouais, s'il vous plaît. La voiture, la voiture. Aïe. Ah, mais le flic depuis tout à l'heure, genre il tourne devant comme ça, il s'arrête en plein milieu. Je crois que c'est possiblement un. On ne dit rien. On va pas faire de mauvaises spéculations. Ah, mon prix. Il y a un gars dedans, il y a les flics. Mais putain, mais ta gueule, Arteser. Le mec, il est là, il y a un mec dedans, mais on essaie d'être discret. Il y en a, il est sorti. Putain, mais... Arteser, t'es en plein milieu de la route, arrête de parler comme ça. Il y a la police et tout. Ah, ils sont à l'intérieur déjà? Ouais, je fais genre que... Ouais, t'inquiète, moi aussi je fais genre... j'attends à l'ATM, quoi. Et voilà. Putain, il y a tous les ATM de fou. Ouais, bah ouais, t'inquiète, on fait tous la même technique. On attend. C'est quoi cette technique de merde? C'est déjà sur un toit là, le toit à gauche. C'est cramé, non, mais cramé. Ah ouais, mais le problème, ça c'est le genre de truc, faut pas que tu le fasses en live, parce que sinon c'est la merde. Bah, c'est vrai. Faut dire ce qu'il en est. Ils sont où les autres? On est dedans là. Ah, vous êtes tous dedans? On est à la porte dedans. Ouais, je vois pas. On est en train de braquer la banque là. Les personnes sont posées. Ah, vous êtes déjà en train de braquer? Et moi j'étais en train de prendre mon AK. Mais tout est bloqué les gars. Faut que tu rentres, tu peux rentrer dans les portes, elles sont ouvertes. Mais pourquoi? Mais y'a un banquier au moins les gars? Non, y'a rien. Mais on n'a pas le droit de braquer s'il y a pas de banquier, non? Je mets. Salut. Allez bien. C'est par là. Action no roleplay. Je veux pas être là-dedans. Non, t'as pas le droit. S'il y a pas de banquier, je crois que t'as pas le droit. Hein. Mais si. Je m'appelle, c'est problème. Faudrait que je regarde. Non, c'est ce genre de congé. Attends, je vais regarder vite fait sur les règles. Attends. Quelqu'un prend un sac. Attends, c'est sérieux? On est vraiment en train de faire un braquage silencieux. J'ai le sac sur le dos, c'est bon. Mais j'ai rien fait. J'ai même pas rentré dans la banque. J'ai un sac sur le dos, tu crois qu'il va me tirer? Y'a un policier qui a la thème, policier à la thème, policier à la thème. On se cache. Je vais te cacher, ici. C'est quoi cette merde? Attends, toi, s'il y a un policier qui vient, il va falloir que... Si jamais il veut m'arrêter, il va falloir que tu le tues. Ouais, bah attends, vas-y, Vas-y, je fais l'heure et tu sors ton AK si je m'arrête. Faut que tu me dises s'il y a quelqu'un. Il y a le policier. Mais il y a déjà nos coéquipiers. Ils nous attendent pas. Mais on peut prendre qu'un seul sac? Non, j'en ai deux, j'en ai un sur moi là.
Et tu le vois pas? Ouais, mais attends, mais. Non, je le vois pas. Y'a pas mon sac en tout? Allez, vas-y. Ah, c'est bon, je suis monté. Vas-y, go, 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 go. Vas-y, roule, roule, roule. Mais c'est quoi ce braquage claqué? Ok, vas-y. Le traitement des sacs, ça se passe au quartier plage. On est vraiment grand con. Voilà, ça ouf, là. Oh là là. Oh, il était magnifique, le drift. Magnifique. Par contre, j'aimerais quand même savoir comment il y a aucune alarme qui soit déclenchée, parce que. C'est le professionnalisme, monsieur. 20 000 dollars, c'est tout. Quoi? C'est de la douille. Ok, par Antonio, voilà. Tiens, prends ta thune. Alors mais quand même, merci. On était genre 6 ou 7, on finit qu'à 4 quoi, genre. Mais c'est quoi ce bordel? Mais ils sont passés où les autres? Ils sont crash ou quoi dans la voiture. Mais ils sont crash ou quoi les autres? Je sais pas, mais en tout cas c'était claqué. Arthézer, il est passé où Arthézer? Oh bah tu sais, on l'a un peu perdu lui. Mais c'est pas ma voiture ça? Si, je crois. Vas-y, celui-là, celui-là. J'ai l'impression que je me suis fait voler ma voiture. Ah, c'est les collègues. Ah mais c'est bon. Ah mais ça va, c'est les collègues, ça va. Attendez-moi, attendez. Ouais, faudrait quand même faire un braquage d'une deux secondes parce que là c'est chaud. Super. Hein. T'es ta queue. Ça finit en octogone direct. Ouais, il s'est bien gémode. Ouvrez la porte. It was at this moment he knew he fucked up. Ah merde, mais non. Mais non. Oh, c'est la foule merde. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? Tiens, un bout. C'est moi ou ça qui a pas de crack? Y'a un bruit là? Y'a un bruit. Sortez. Alors, c'est qui va se faire calacher à l'entrée? Qui va se faire calacher à l'entrée? Mais on y va, on y va, poussez à vous, poussez à vous! Mais putain, arrêtez, vous bloquez! On se fait cambrioler, on se fait cambrioler! Oui, là, mec! Go, go, go! On va les enculer, on va les enculer! Ils sont où? Oh! C'est des flics, non? Je crois que c'est des flics! C'est des flics, je crois. Je crois que c'est des flics, non? J'ai pas d'armes! Je crois que c'est les flics! C'est les flics! Attends. Mais putain, mais c'est qui leur tire dessus? Attends, moi aussi! Bon bah, je crois qu'on a dit où on était, hein. On a passé le bonjour. Bah, par le raid qui était sous le tunnel. On va mettre en octogone. Sortez vos calaches. Monsieur, on pourrait juste faire une petite fouille. Oh merde! Je suis désolé, si vous voulez faire une fouille chez nous, vous devrez vous munir dans la permission. Run, 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 run. C'était tombé. Attendez, non. Oh, c'est qui sort les pompes là? C'est pas nous. C'est pas nous qui sort les pompes là. Le je sais pas, mais il y a la blinde de tir. Les gars, on sort nos armes, on les allume. Vous êtes prêts? Les flics. Je vous allume les flics. Ça tire ou pas? Ok, ça marche. Voilà, maintenant. Ils se sont cassés, tu déconnes. Ah, bon, gars. Laissez-moi passer, je suis pas là. Qu'est-ce que tu veux dire, quoi? Mais c'est moi qui s'envoie. Attention à toi, Tristan, attention. Ouais. Faut que tu manges. Putain, ouais. Oh merde, je suis moitié moi. Oh, bah on a perdu Marc, je fais chier. Quelqu'un des spaghettis me donner? Et quoi, qu'est-ce qu'il y a? Excuse-moi. Je me vois absolument à miam miam. T'as reste ou pas? Non, là j'ai. Ah putain. Bon bah écoute, je vais tenter le tout pour le tout. Je vais. Tristan, va voir Mike. Il est où? Quoi? Mais tu peux pas sortir, gros? T'as le cas de nourriture? Ah bah non, il est là. Ah bah non, j'ai que dalle. Putain, bon bah attends, je fais un. Attends, faut aller chercher d'abord. Je vais avec lui. Je connaissais pas le code. Salut. On m'a tiré dessus, ils m'ont tiré dessus aussi. Ok, bah on va faire qu'on progresse sur les côtés. Hop, j'en ai mis une au niveau du garage de rampe. Putain, normalement, ils ont mon arme. Oh putain, Maxime, il s'est barré. Ok, c'est. Je suis en train de les rush. Et voilà. Dur CSGO. De la maison? Enfin, dehors de la barricade? Putain! Ouah, wow, c'est la merde! Oh, casse-toi! Comme ça, moi, le mien, il fait son travail en fond là. Clairement pas hyper rentable, mais. Y'a un problème là. Oh, y'a le camion du raid! Hop, F1. J'ai faim. T'as vu, j'ai fait une blague sur ton F1. Pas emballé par la blague, hein. Moi, j'aimais bien. T'as tiré, hein. Moi j'ai pas d'armes. Oh là, il se passe quoi là, eh? J'ai pas signé pour ça. On monte pas avec l'arme. De la guerre. Je me dis, j'ai payé la porte 250. Ah, bah, mais pour quelle raison?
On a aucune idée. Piqué pour free kill, allez, c'est parti. Ils font péter toutes les structures. Je suis mort. Oh non, on a perdu le soldat Otaku. C'est le cadavre de qui ça? C'est Tristan ça, non? Oh, oui, c'est Tristan, on a perdu le soldat Tristan. Est-ce que tu m'entends? Oui. On a perdu. J'aime pas laisser des trucs sans savoir si je suis sûr. Ah, c'est bon, il est mort. Ah le bâtard. Non.